respecter nos droits. Ô grand roi qui détruisait la terre, ô grand roi, respectez nos droits. D'insolence et d'absence pour ce monde égaré, dans ce monde où le mal est considéré comme le bien, dans cette vallée infernale de péché, de dédain, chacun pour soi reçoit la récolte du malin. Par ses dents serrées, il t'enchaîne et déchaîne une haine insatiable, dépassant tes pensées, tes protocoles d'accord. Ces colbans égarés, les théories qui s'étiolent, piège insensé, quel est le pire? Pire, aujourd'hui je ne sais, sur le banc des martyrs, des vampires assoiffés, sous leur barbe assassine, des innocents apeurés, trop de larmes, de bombes, de sang coulé, la détresse, la souffrance s'en prend, c'est notable, les embrasés du diable traduisent l'insoutenable et tragédie, percute nos esprits, et la folie nous dépasse, las, nous nous sommes endurcis. Oh, grand roi, dirigez la terre, oh, grand roi, respectez nos droits. Des nations qui nous gouvernent par la peur, qui manipulent les médias pour mieux maîtriser nos cœurs, qui coordonnent et qui donnent la morale et le sens, dirigent nos pas, le tempo, le rythme à la danse. C'est ce que j'appelle sans appel de la smarta mentale, pensée unique, imposée, gouvernementale, impactée les esprits du nouvel ordre mondial et qui contrôle nos vies en construisant sur du sable. RFID imposé, jalousant le père, nous étions libres de penser, de vivre, de faire. Vous agissez sans conscience et augmentez sa colère. Repentez-vous que les fébriles faits d'argile et de terre. Le ton est donné, c'est le père qui m'envoie, prophétisant sa pensée pour faire valoir ce que de droit. Détruisez vos hauts lieux de façon nette et sincère. Bannissez vos faux dieux, ces boussoles sans repère. Oh, grand roi, qui dirigez la terre. Oh, grand roi, respectez nos droits. Oh, grand roi, qui détruisez la terre. Oh, grand roi, respectez nos droits. Les terreurs sont des larmes imposées, techniques aliens, reptiliennes qui sont des tas camouflés. Mais qui sont-ils ces vautours? Gâcher la vie des terriens, la mère patrie d'un air écrit, ne faire qu'un cru d'aérien. Esprit tactique, étatique pour mieux bafouer nos droits, ensangoter et mépriser celui qui prône ses droits. La mer déborde dans le désordre pour mieux noyer ses enfants. Se croit éthique et politique, mais trahit nos fils sur nos rangs. Oh, grand roi, qui dirigez la terre. Oh, grand roi, respectez nos droits. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette émission, mercredi déjà 23 septembre, c'est la 137e et ce soir nous allons philosopher. On va philosopher en présence de Marc Luix et qu'Éric va tout de suite accueillir. Bonsoir Éric. Je ne sais pas si les micros sont bien. Bonsoir à tous. Donc ce soir nous avons la chance et l'honneur de recevoir Marc Luix Guizzi, qui est l'un de ces personnages qui ont défendu les valeurs essentielles à l'humain, qui sont l'éthique. Et quand on parle d'éthique, on enchaîne assez facilement sur la déontologie, sur l'humanisme en général. Et donc, par différentes conférences, Marc
que Louis Gysi a ordonné une sorte d'iceberg qui est assez clair pour qui veut bien suivre cette conférence. Ces vidéos sont très intéressantes et ça permet un peu de se rendre compte qu'un changement de paradigme complet est absolument nécessaire sur cette planète. Et ça ne touche pas seulement un pays, ça touche véritablement l'humanité et les concepts majeurs de cette humanité. Donc, Marc, bienvenue à vous. Merci. Je vous laisse vous présenter peut-être un petit peu, dire parce que je crois que vous avez été en rapport avec pas mal de politiciens, de dirigeants, vous avez défendu ces valeurs éthiques et que vous n'avez pas tellement été écouté, je crois. Non, en tout cas, ça fait 20 ans que je parle du changement de paradigme et que je ne suis pas probablement très bien compris. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu justement de ce changement de paradigme? Ça va être l'objet majeur de notre conversation ce soir. Nous, on l'analyse un petit peu. Alors là, on va prendre vraiment remonter au début de la civilisation et on s'aperçoit que toute la civilisation humaine s'est créée, s'est bâtie et que tout s'est fait toujours sur la loi de la force, sur la dominance. Et que ce soit un chef de guerre qui veut agrandir son territoire ou que ce soit un chef de religieux qui veut grandir le nombre de ses adeptes, dans tous les cas, c'est toujours celui qui est fort, qui en manipule d'autres et qui, à travers cela, cherche son intérêt. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pays, par exemple en Afrique, où les frontières sont tracées géométriquement, ce qui correspond en rien à la nature des peuples, à leur culture, à tout cela. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de peuples sont en danger d'être détruits en Amazonie, en Indonésie, un peu partout sur la planète, par ces multinationales, par l'exploitation forcenée qui se fait. Et pour nous, le changement de paradigme, c'est de remplacer l'intelligence artificielle vers laquelle ce monde essaye de nous entraîner par une technologie qui, à mon avis, n'est pas du tout humaine, pas du tout correspondant aux besoins humains, et de la remplacer par ce qu'on appelle, nous, l'intelligence humaine collective, qui consiste non plus à maintenir ce système de ministres et de gouvernance à travers des personnes qui, elles, sont systématiquement corrompues, mais par des collectifs de personnes qui, elles, travaillent ensemble par un concept de commission pour unir leur intelligence dans le but du bien commun. Et dans certains domaines, en particulier la santé, on voit que les politiciens maintenant peuvent donner des ordres aux médecins sur les médicaments qu'ils ont le droit ou pas le droit de donner à leurs patients. C'est-à-dire qu'on retire totalement le serment d'Hippocrate, on retire totalement l'éthique et la déontologie médicale. Et là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. Donc, ça fait partie de tous ces sujets sur lesquels on pense que les concepts et le paradigme de notre civilisation doit changer et que ça doit commencer par le haut, c'est-à-dire par les dirigeants des pays. Alors, donc voilà un petit peu notre façon de penser le changement de paradigme, qu'on essaye de rendre concret par un conseil de transition, mais aussi par un autre concept qui est une cour suprême, c'est-à-dire qu'en fait, on estime qu'un gouvernement est une émanation du peuple et qu'à partir du moment où c'est une émanation du peuple, le peuple doit rester au-dessus et que c'est le peuple qui doit toujours superviser le gouvernement, quelle que soit la forme de gouvernance qu'il y a. Et vous n'avez pas une cour suprême comme aux États-Unis ? Ben non, en France, il n'y en avait pas jusqu'à ce qu'on la crée. Et on a créé une Cour suprême. Quand ça? Qui ça? Nous. Ah oui. Ben oui, mais nous, on est l'autorité légale de France. On est le gouvernement légitime de France. Oui. Donc, sur le plan juridique, on s'appuie là-dessus pour avoir créé cette Cour suprême et un concept complètement nouveau qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine, qui permet que l'ensemble d'un peuple reste souverain au-dessus du gouvernant, quelle que soit la forme de gouvernance. Mais on peut dire qu'aux États-Unis, c'est pas mal, hein, ils ont une Cour suprême, et c'est maintenant le grand débat dans la campagne électorale. Je voudrais revenir, me permettre d'ajouter quelques dimensions en racontant une petite histoire.
Donc, quand je travaillais pour Jacques Delors, il nous a dit en 92 pour vous, écrivez-moi, on était la cellule de prospective, écrivez-moi un rapport sur l'économie européenne en 2030. Alors, on s'est mis au travail et on a écrit un livre qui reposait sur une seule idée. L'Europe a été agricole à 85% avant l'année 1900. Et puis l'Europe est devenue industrielle. Et maintenant, nous allons dans une autre transition vers l'économie immatérielle. On va garder l'industrie, mais les jobs industriels... Et donc, nous avons averti les chefs d'État. Et ce n'était pas des idiots, c'était Mitterrand, qui est un homme intelligent. C'était Kohl, qui est un homme intelligent. Et ces chefs d'État ont dit à Delors, ce texte est vraiment très intelligent. Mais on ne sait rien en faire. On ne sait rien en faire, parce que si on dit aux gens la vérité, ils ne vont pas voter pour nous. Donc, on va avoir une statue sur la place, mais c'est l'opposition qui va gagner. Donc, là, j'ai compris que pratiquement, le politique ne peut que suivre le changement du peuple. Le changement vient d'en bas. Le changement ne peut pas venir d'en haut. Politiquement, donc, je ne condamne plus personne parce que j'ai compris que les politiciens, ils sont coincés. Non. Ben, ils sont coincés parce qu'ils sont dans un système où pour eux, le plus important, c'est leur ego personnel, c'est leur position, etc. Et donc, se faire élire est le plus important. Oui. Et donc, c'est ce système qu'on remet en question. C'est le système qu'on appelle la République et qui est un système politique qui a oublié la chose commune, qui a oublié la République. Donc, ça, c'était un premier petit élément pour réagir sur votre introduction, qui était très intéressante. Et je voudrais rappeler les 5 points du changement qui sont décrits dans mon livre ou dans d'autres conférences. Le point tout en bas, qui est le moteur du changement, ce n'est pas le politique, c'est tout en bas, c'est juste le contraire, c'est que le citoyen lambda, vous, moi, nous avons conscience quand même que notre civilisation a créé 2 possibilités de suicide collectif, c'est pas mal. D'abord, la guerre nucléaire, nous avons assez pour faire exploser la Terre 17 fois. C'est quand même pas mal. Pas 5 fois, pas 3 fois, 17 fois. Et nous étions à 34. Donc, nous sommes déjà descendus à 17. Ça, c'est 1. Et 2, nous avons un système économique de croissance infinie dans un monde fini, ce qui est évidemment un suicide collectif, un second. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette pulsion de mort qui est engendrée par notre civilisation, le citoyen lambda la refuse. Et donc, notre subconscient, notre inconscient collectif est en train d'opter pour des valeurs de vie. Nous voulons un monde vivable pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et ça, c'est le moteur profond, à mon avis, du changement, qui va bouleverser tout le bazar, y compris le politique. Et ce qui est amusant, et ce qui est très intéressant, c'est que personne ne peut empêcher ce mouvement de continuer. Vous comprenez, les gens, dans le fond de leur trip, passe de valeurs de mort collective à des valeurs de vie. Ça, c'est très, très, très puissant. Sauf si les hauts dirigeants, ceux qui sont au-dessus des politiques, prennent la décision de supprimer
la vie, de supprimer cet inconscient collectif en supprimant les populations. Oui, mais je vais vous répondre directement, puisque vous m'intervenez, me coupez dans mon exposé, mais ce n'est pas grave. Je vais vous répondre que ça, c'est un des scénarios possibles. Il y a un autre scénario qui est en train de s'imposer. C'est que la stratégie du choc, très bien réussie, ils sont parvenus à casser l'économie de 4 milliards de gens en quelques mois. C'est extraordinaire. Oui. Donc, ils ont bien réussi ça. Et cette stratégie du choc peut ou bien nous amener vers un État à la chinoise, scénario 1, ou nous amener, parce que notre inconscient collectif continue à travailler et notre conscience continue à s'élever, nous amener à dire, mais non, nous ne marchons plus dans la peur. Nous ne marchons plus dans vos valeurs. Et c'est votre paradigme qui va s'écrouler gentiment. Parce que le jour où les gens sortent de la peur, ils sortent de la dépendance par rapport à ces politiciens, quelle que soit leur violence, leur méchanceté, leur perversion. Tout à fait d'accord. Et donc, les enjeux actuels sont des enjeux de vie, et je dirais spirituels au sens profond du terme, pas religieux évidemment. Il faut distinguer la religion et la spiritualité, c'est quand même l'ABC. Mais spirituels au sens de se lever. Si nous nous levons, ils ne savent plus rien faire. Si nous continuons à avoir peur du coronavirus, etc., ce qu'ils essayent de nous inculquer, et de nous vacciner, etc. Oui, alors on fait leur jeu. Mais les indications de statistiques, moi, me montrent que il est possible que nous ayons sur la Terre 1 ou 2 milliards de gens qui se lèvent. Bon, ça n'a pas la même forme en Chine, la même forme dans le bloc islamique, ça n'a pas la même forme en Inde, ça n'a pas la même forme aux États-Unis ou en Europe. Nous sommes dans un mouvement, ce mouvement de changement de valeur au niveau subconscient, c'est un mouvement qu'il est pratiquement impossible d'arrêter. Ils peuvent essayer de nous tuer, ils peuvent essayer de démolir notre ADN, etc. Ils vont essayer, évidemment ils vont essayer. Et les mois qui viennent ne vont pas être faciles à vivre, ça c'est certain. Mais en même temps, le nombre de gens qui s'éveillent, qui deviennent conscients, comme vous qui m'écoutez, ce nombre est passé de 24 à 35%. Et pendant la crise du coronavirus, probablement, on est en train d'accélérer très fort, on arrive presque à 40%. Oui, mais une fois que vous avez 40% de la population qui se pose de véritables questions, l'autre jour, je parle à ma garagiste qui ne lit rien, qui ne regarde la télé que de temps en temps, et elle me dit, mais monsieur, ces gens, c'est-à-dire le gouvernement belge, nous prennent pour des fous. Et donc, le Belge moyen, mais le Français moyen, il y a une partie, pas la majorité, mais une partie importante, qui commence à se poser des questions et à devenir beaucoup plus conscient. Donc l'élévation du niveau de conscience est un fait. Tout à fait. Voilà quelques éléments. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'accélérer cet éveil et en même temps de l'orienter, c'est-à-dire de lui donner une structure juridique, valide et acceptable par tous, de façon à ce que ce ne soit pas le chaos et à éviter justement les guerres civiles qui pourraient se déclencher suite à l'effondrement économique. Oui. Et donc, c'est dans ce concept qu'on a développé ce Conseil national de transition qui a donné naissance à cette Cour suprême. Oui. Bon, alors, c'est vrai, je viens d'écrire un article
en anglais et en français sur le sujet, il est la possibilité qu'il y ait un crash bancaire, monétaire et de la bourse et boursier, les trois à la fois, et avec un effet domino, c'est une chance sur deux. Donc, certains vont tout faire pour l'éviter et d'autres vont tout faire pour que ça se passe. J'estime que c'est 40-50% de chance qu'on n'y coupe pas. Je crois qu'à ce moment-là, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs dans l'Union et ailleurs dans le monde, on risque d'avoir un chômage de plus que 40%. Une fois que vous avez 40%, ce n'est plus des gilets jaunes. C'est la majorité des Français qui descendent dans la rue pour dire on a faim. Exactement. Et là, c'est le choc, la stratégie du choc. Mais ce choc peut s'orienter dans deux sens. Probablement, et regardez, probablement que les gouvernements, même le gouvernement français qui est la queue du train, arriveront à proposer un revenu universel tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et là, c'est exactement ce qui est dans notre programme. On a écrit un programme complet de redressement des pays et qui inclut donc la ressource universelle. Oui, maintenant, rêvons. Rêvons un peu. J'ai rencontré des gens un peu partout, notamment un entrepreneur français, peut-être surdoué, qui me dit « Moi, je suis sur le point de faire marcher le moteur de Tesla. » Ça veut dire que vous mettez 5 volts au départ pendant 2 secondes pour faire tourner le moteur, et il produit 5000 watts indéfiniment pendant 20 ans, 30 ans, 100 ans. Je rêve. Mais mettons que l'Europe prenne le brevet, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste le ministère de l'énergie, qui est un budget énorme, le nucléaire, Flamanville, tout le bazar, les centrales au charbon, etc. Tout ce budget-là, fini. On supprime le ministère de l'énergie et on le remplace par le revenu universel. Je rêve. Oui. Donc, il est des petites choses, comme un petit moteur à énergie libre, l'énergie de Planck. Ça peut faire basculer l'ensemble, parce que les tubes, ça produit des guerres. Regardez maintenant le tube avec les Russes et les Allemands, mais regardez les tubes, regardez les Turcs qui creusent dans la Méditerranée, regardez la Syrie, c'est une histoire de tubes. Presque partout, c'est une histoire de tubes et d'énergie. Évidemment, ni les Russes, ni les Américains, personne n'en veut. Mais le jour où l'Europe proposerait ça, mais ça change, on change de paradigme. Donc, ce n'est pas impossible. C'est simplement ça que je veux dire. C'est politiquement possible. Et c'est possible peut-être dans un avenir pas tellement lointain. Perhaps next year, peut-être l'année prochaine. Oui, mais ça exige un vrai changement de paradigme. Oui, social, concret, immédiat. Mais le jour où tu peux acheter un moteur à 5000 balles, 5000 euros, et ça tourne indéfiniment dans ta cave, tu n'as plus besoin de chauffage, tu n'as plus besoin de mazout, tu n'as plus besoin d'électricité. Attends, ça change tout. Bien sûr. Tu n'as plus besoin de compagnie d'électricité. Tu n'as pas besoin, plus besoin de mazout, plus besoin de chauffagiste, rien. Tu chauffes ta maison avec une pompe à chaleur qui tourne à l'électricité et c'est terminé. Et tu as autant d'électricité que tu veux, tu mets un moteur plus gros et puis tu payes 2000 euros de plus. Attends, on est dans un autre monde.
Et ce n'est pas impossible de concevoir cela. C'est ça que je veux dire. Ça peut basculer. Beaucoup de technologies sont latentes. Les brevets ont été déposés, elles sont mises de côté, et il y a quand même des gens qui contrôlent au-dessus. Attends, ensuite, il y a aussi, il faut qu'on se méfie, nous qui ne sommes pas scientifiques, il faut qu'on se méfie de toutes ces publicités, entre parenthèses, toutes ces propagandes de gens qui prétendent découvrir l'énergie libre, alors que pour l'instant, on n'a encore que très peu d'éléments véritablement concrets. Mais oui, et c'est pour ça que moi, j'ai dit à ce chef d'entreprise, vous me faites tourner le moteur et vous mettez 30 lampes de 100 watts à la sortie pour bien montrer que l'énergie est produite. Alors, on vous croira. Sinon, toutes vos démonstrations théoriques, personne ne va vous croire. Tout à fait. Évidemment. Évidemment, parce que, écoutez, le laboratoire de Tesla a été brûlé 3 fois et on l'a fait exploser 4e fois. Pour être sûr. Et c'est JP Morgan, évidemment. Oui. Donc, c'est toujours les mêmes. Oh oui. Et c'est toujours les mêmes qui détiennent tout ce qui est ressources aujourd'hui et qui nous contrôlent à travers ça. Sauf que, c'est peut-être en train de leur échapper. Parce que, d'autre part, le gouvernement indien, que je ne porte pas dans mon cœur parce que ce sont des fondamentalistes bouddhistes. Et moi, tout fondamentaliste, ça me rend nerveux. Mais le gouvernement indien a dit, écoutez, nous, on n'a pas de nucléaire, on n'a pas d'autres sources d'énergie. Et donc, si on pouvait faire tourner ce moteur, ils ont chargé un scientifique, un des plus grands scientifiques de l'Inde, Tiwari, de se mettre au travail. Et alors, le Premier ministre a reçu tous les ambassadeurs du monde pour lui dire « This is not a good idea ». Mais il a dit « Oh, mais moi, je m'en fous, je mets l'armée autour du laboratoire. » Nonobstant ça, M. Tiwari est quand même mort. On ne sait pas pourquoi. Il avait à peu près mon âge. Ben bon, il y a des gens de mon âge qui sont en très bonne forme. Oui. Donc, ça pourrait aussi percer du côté indien. De n'importe quel côté que ça perce, de toute façon, ça doit être répandu sur toute l'humanité. Ah oui. Il n'est pas question que ce soit un pays qui s'exclut du reste du monde. Ce n'est pas possible. Non. Et c'est pour ça qu'il faut une période de transition pour adapter cela, pour le rendre possible et pour imaginer le futur après. Avec de vrais philosophes pour gérer cette transition. Je m'excuse d'être positif, mais ça va obliger les gouvernements, y compris les plus stupides, à se réinventer. Oui, mais je ne crois pas que ça viendra des gouvernements, ça viendra des peuples. Ça viendra des peuples. Et puis de gens périphériques comme nous, on dira, tiens, mais... Vous savez, le lendemain de la crise, on fait venir tous les fous, les mavericks, comme on dit en anglais, tous les types qui ont des idées un peu zozo, et on leur dit, bon, ben, écoutez, maintenant, on est dans la maintenant, arrivez avec vos idées, parce qu'on en a besoin. Donc, il faut être aujourd'hui ouvert à beaucoup de choses, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer demain. Tout à fait. Y compris du positif. Mais vous restez quand même sur un plan assez optimiste. Oui, alors que moi, je le vois à court terme, dans la grande peur quand je vois la quantité de gens qui acceptent de se soumettre en portant un masque qui n'a aucun sens, ça me fait peur parce que je crois que dans très peu de temps, ils peuvent redéclencher un confinement et les gens vont encore l'accepter. Et durant ce confinement, passer la loi vaccinale et l'élimination de l'espèce humaine commencera à ce moment-là. Tout ça est possible. Et cependant, si vous voulez, dans mon dernier livre, je montre que l'époque actuelle a été comme annoncée par des gens un peu prophétiques comme Teilhard de Chardin,
mais comme Aurobindo en Inde, comme d'autres. Et tous ces gens disent la même chose. Oui, nous allons changer de niveau de conscience. Tout à fait. Évidemment, supposons que j'ai raison et supposons que nous entrions dans la noosphère comme Teilhard de Chardin avait prévu. Si c'est vrai, eh bien, la première chose qui se passe, c'est que nous devenons tous furieux. Pourquoi nous devenons furieux? Parce que tout d'un coup, nous comprenons, notre niveau de conscience monte et on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et donc, nous devenons de plus en plus furieux. Et ça, c'est peut-être le signe que nous montons de niveau de conscience. Parce que tout d'un coup, on comprend qu'on est en train de se faire mais manipulé de manière magistrale. Mais ça c'est parce qu'on monte de niveau de conscience. Mais il faut que cette furie soit constructive. Oui. Allez, quand j'étais jeune, avec le club de Rome, on a, en 74, 74 pour les Français, on a fait un rapport disant « halte à la croissance ». À ce moment-là, la presse a dit « ils sont fous. Ils sont gentils, mais ils sont fous. » Maintenant, 30 ans après, 40 ans après, si vous discutez avec les gens dans la rue, ils vous diront, ben oui, évidemment, une croissance infinie dans un monde fini, il y a un problème. Et donc, le message est passé à 100%. Le niveau de conscience de la population a monté au niveau de l'écologie. Maintenant, et la jeune génération des 15 ans, 16 ans, qui, avec Greta Thunberg, qui manifeste dans les rues de l'Europe, ils sont encore dans un niveau de conscience plus élevé, parce qu'ils disent « change the system, changez-nous le système, on ne sait pas comment il faut faire, on a 15 ans, mais on voit bien qu'en tout cas, ce n'est pas en changeant des petits morceaux de petites lois de ceci et de ça qu'on y arrivera ». On est tout à fait d'accord. Elle l'a dit aux Nations Unies, elle l'a dit à Davos, elle l'a dit partout. Et donc, ces jeunes-là sont d'un niveau de conscience probablement encore plus haut que les vieux schnocks comme nous. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas une manipulation, que ce langage dont vous parlez, qui est porté par une personne particulière, est-ce que ce n'est pas tout préparé, une forme de manipulation? Parce qu'on voit beaucoup d'autres jeunes qui, eux, ne pensent que, ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir, ils n'y croient plus, ils n'ont plus de rêve, et ils sont plutôt vers le retour à la Terre. Mais écoutez, presque égoïstement. C'est-à-dire, non pas en tant que collectivité. C'est très difficile de répondre à cette question, parce que moi, personnellement, je ne le crois pas. Mais ce que je sais, c'est que même s'il y avait manipulation, mettons que Mademoiselle X est manipulée et descend dans les rues. Mais Mademoiselle X, une autre, qui est manipulée, ou bien elle va rester seule, ou bien elle va avoir 3 copines ou 10 copines, mais elle ne va pas mobiliser des millions de jeunes dans toutes les rues d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est la mobilisation. Oui. Ce n'est, alors, que Greta Thunberg soit un peu spéciale, qu'elle ait un caractère X ou un caractère Y, d'accord, elle est peut-être une surdouée avec tout ça est possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'ici en Belgique, mais dans tous les systèmes d'enseignement, catholiques, non catholiques, flamands, wallons, pour finir, tout le monde est descendu dans la rue. Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse. Et pas seulement en Belgique, mais même en France, qui n'est quand même pas, pour moi, c'est vraiment la queue du train, hein, c'est les plus conservateurs de tous, hein, les Français. Mais bon, oui. Et les moins informés. En Allemagne, c'est pas beaucoup mieux, mais les gens sont descendus dans la rue. Hein. Et un peu partout, en Italie aussi. Voilà. Mais je m'excuse d'être positif, mais franchement,
le changement de paradigme, ça va se passer dans les peurs et les grincements de dents, hein. Ça c'est certain. Tu n'as pas de changement de paradigme qui se passe dans la douceur et tout le monde est beau, tout le monde est gentil et les politiciens trouvent ça une très bonne idée. Mais oui, on va changer les lois, attends. C'est sûr. On vient contrecarrer un plan qu'ils développent depuis tellement longtemps. C'est juste le contraire. On est en train de faire rater tout leur bazar. C'est ça. Ah. Mais justement, ça les rend peut-être encore plus drôles. Vous croyez qu'ils nous aiment bien ? Vous croyez qu'ils vont... Mais non, évidemment, ils vont tout faire pour que nous soyons démolis, écrasés. Ils ne vont pas y arriver, mais ce n'est pas grave. Ben, on va quand même essayer de limiter un peu la casse. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que dans ma vie, le changement de paradigme dans ma vie, mais je l'ai vécu à coup de pied au « Vous voyez, je me dis que si moi, dans ma vie, j'ai changé de paradigme parce que j'ai reçu des coups, peut-être qu'au niveau politique, c'est un peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que vous avez la notion que tous ces politiciens de tous les pays sont unis par une forme de religion dont les croyances sont tout à fait différentes de nos religions connues et classiques? Je crois qu'il y a, je suis d'accord avec vous, qu'il y a une alliance de l'Amérique profonde et qui sont liées à des énergies très négatives. D'accord. On ne peut pas dire plus. D'accord. Vous le dites très élégamment. Oui, soyons élégants. Je n'en pense pas moins. Mais je vous raconte une histoire. Je suis à la provincia di Toscana, à Firenze, et je parle à la signora vice-presidente della regione Toscana, une dame tout à fait sympathique, de 40 ans, qui me dit, mais écoutez, moi, je suis une chef d'entreprise, j'ai une entreprise de luci, de lustres. Je fabrique des lustres. Alors, le président de la Toscane m'a demandé d'être vice-présidente pendant 4 ans. Bon, je veux bien mettre mes qualités d'entrepreneuse au service de la Toscane pendant 4 ans. Mais j'ai dû engager un type qui prend ma place, que je paye plus cher que ce que je reçois de la région Toscane. Donc, je perds de l'argent tous les mois. Ce n'est pas grave. Je fais ça parce que je suis au service de la Toscane. Évidemment, l'argent en dessous de table, ça ne m'intéresse pas. Être réélu, ça ne m'intéresse pas. I'm back to my business. Ce genre de politicien-là, c'est un autre paradigme. Tout à fait. On vous demanderait à vous, bon, vous avez telle et telle compétence, est-ce que vous voulez bien donner 4 ans de votre vie pour être vice-président de la région X en France? Ben, pourquoi pas? Mais vous, les dessous de table, ça ne vous intéressera pas, parce que vous n'avez pas besoin d'être réélu. Exactement. C'est pour ça qu'on est. Tout ce que vous décrivez, c'est exactement le programme qu'on essaye de développer en France. Mais je vous raconte des histoires concrètes, donc ça existe déjà par petits morceaux. Et on espère réunir donc tous ces petits morceaux maintenant dans un concept qui les établira. Maintenant, si je peux me permettre de vous faire une suggestion, c'est que le fait que vous soyez français est une force, mais c'est une faiblesse. Où est votre dimension européenne? Parce que vous savez, au Parlement européen, si vous représentez un pays, vous avez un point. Si vous représentez deux pays, vous avez 10 points. Si vous représentez trois pays, vous avez 40 points. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous n'avez qu'un point, parce que vous êtes uniquement français. Je ne dis pas que vous ne faites pas un bon travail, mais peut-être que vous pouvez le doubler, le tripler, le quadrupler en ayant une dimension plus européenne.
Marc, chez nous, pas d'Europe. L'Europe n'existe pas. On n'est pas, la France n'est pas dans l'Europe, donc c'est un petit peu particulier. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que fait l'Europe, tout ça est vrai. Mais il existe des lois qui permettent, si vous avez 1 million de voix, à obliger la Commission à vous répondre. Ça, il y a toutes sortes d'outils qui ne sont peut-être pas à mettre aux orties, à cracher dessus. Mais si vous avez envie de cracher sur l'Europe, vous le faites, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas cracher sur l'Europe. C'est simplement le fait que, juridiquement parlant, la France n'est pas dans l'Europe. Donc, on ne peut pas... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Juridiquement parlant, juridiquement... Elle siège au Conseil européen. Elle est à la Commission, elle est partout. Alors, mais de quoi parlez-vous? Mais tout ça, ce sont des usurpations. Juridiquement parlant, la France n'est jamais entrée dans l'Europe puisque la souveraineté de la France a dit non à 55%. Et donc, juridiquement parlant, nous ne sommes pas entrés dans l'Europe. Après, les usurpateurs qui ont violé les lois françaises pour nous mettre dans l'Europe, eux continuent leur chemin, mais on essaye de les arrêter. Oui. Et je ne crois pas non plus de toute façon à l'Europe parce que je n'ai pas du tout... je ne vois pas comme futur un futur orwellien où on va se retrouver avec des continents qui chacun va développer le plus d'armes possible pour dominer l'autre à côté. Et on va se retrouver avec une Europe, une Russie, une Chine et des États-Unis. Je vois beaucoup plus maintenant de tous les peuples du monde. Oui, comme vous voulez, pas de problème. C'est une vision différente. Oui, pas de problème. Chacun a sa stratégie. Moi, je parlais de stratégie, hein. De stratégie, pas de ce qu'est l'Europe. La France n'est pas dans l'Europe, d'accord, mais au niveau stratégique, je vous ai fait une suggestion. Vous ne la croyez peut-être pas utile, c'est bien. No problem. Disons que ce n'est pas dans le cadre de notre programme. Voilà. Le cadre de notre programme s'étend beaucoup plus au-delà de l'Europe. C'est un éveil de tous les peuples qu'on essaye de provoquer en leur offrant un schéma particulier qui est celui d'une Cour suprême, celui de commission de fonctionnement qui interdit toute forme de corruption. Ça ne peut plus du tout exister et qui permet effectivement que les peuples retrouvent toute leur souveraineté. Mais je parle de peuple et non pas de nation. Parce que ce changement de paradigme dont nous parlons exige une période de transition où je crois que tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'y participer, tout le monde a le droit de participer à construire son avenir. Ouais. Et donc cette transition doit être ouverte à tous. Je respecte tout à fait votre opinion. Je n'aurais peut-être pas les mêmes stratégies, mais voilà, hein. Personne ne sait, personne ne connaît le futur. Oui, et puis la stratégie, c'est ce qu'on pense au départ. Et après, on s'ajuste en fonction aussi des situations. C'est une manière de voir. Non, la stratégie, c'est ce qu'on détermine au départ, à partir d'un concept. Et puis après, il y a l'adaptation qui est plus de la tactique que de la stratégie. C'est vrai. Alors, par contre, en ce qui concerne les énergies, là, on a déjà un certain nombre d'énergies propres, disponibles immédiatement, qui seraient déjà un très grand pas en avant. Et le seul fait de les libérer, je pense par exemple au moteur Pantone, le moteur Pantone éliminerait immédiatement 30% de consommation en trop, c'est 30% de consommation en moins sur tout l'ensemble du parc véhicules, camions, etc. C'est aussi 30% en moins de tankers sur les mers. C'est aussi, vous voyez, la répercussion est absolument gigantesque, uniquement avec ce moteur Pantone, qui lui est disponible sur le marché déjà. Il est interdit en France,
mais il suffit de lever l'interdiction pour que ça change complètement le fonctionnement du système énergétique. Donc, on parle beaucoup d'écologie. J'ai écouté, moi aussi, cette Greta, je ne sais plus comment son nom. Mais, mais je trouve qu'elle elle néglige un petit peu certains de ses aspects, comme celui, par exemple, de cet inventeur français qui a inventé un moteur à air comprimé, qui ne pollue plus du tout, qui présente énormément d'avantages, et qui a été adopté, d'ailleurs, par les hindous. Puisque c'est Tata qui commençait à fabriquer des véhicules à air comprimé. Mais ça a été interdit en France. Donc, on a beaucoup de choses comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, on a beaucoup, beaucoup d'inventions qui sont interdites, qui ne peuvent pas être publiées, alors que ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des inventeurs. On en a un qui, avec les algues, a créé des engrais complètement naturels, qui fait du chauffage, qui produit du chauffage, qui alimente déjà deux villages autour de chez lui uniquement avec son système d'algues. Et il y a beaucoup. En Espagne, on a un système de récupération des industries et qui, avec une certaine algue, produit de l'essence, produit une essence absolument naturelle, puisqu'en fait, ce sont les récupérations des fumées des usines qui servent à fabriquer cette essence. Donc, il y a beaucoup de projets possibles, mais encore une fois, ce n'est pas adopté par les hauts dirigeants parce que ça vient contrecarrer leurs intérêts. Et cet intérêt, cette corruption sont vraiment omniprésentes à tous les niveaux des gouvernements. Et c'est le gros problème que rencontre l'humanité aujourd'hui. Alors, sur le plan spirituel, comment est-ce que vous voyez cette transition pour votre part? Parce qu'on a quand même des auteurs célèbres qui parlaient du 21e siècle, qui sera l'âge spirituel, qui sera l'âge d'or. Vous le voyez de quelle manière? Comment vous voyez cette élévation de spiritualité? Mais j'en ai déjà dit un mot en citant Teilhard de Chardin. Oui, mais vous avez quand même les religions qui vont intervenir. Je n'ai jamais parlé des religions. Mais il faut en parler parce que les religions sont aujourd'hui le refuge pour beaucoup de gens. Alors, vous me laissez parler? Oui. Ok. Et donc, Teilhard de Chardin annonce l'élévation du niveau de conscience et l'entrée dans la noosphère. Il annonce aussi la loi de complexité conscience. C'est très intéressant. Quand on pense qu'il a écrit ça en 1940 ou 1930, il dit au début du 21e siècle, l'humanité va être confrontée à une série de problèmes insolubles liés les uns aux autres. Et plus les problèmes seront complexes, plus l'élévation du niveau de conscience de l'humanité va se produire, parce qu'il n'y aura pas moyen de résoudre les problèmes dans leur complexité, sans s'élever, sans regarder les choses d'un peu plus haut. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème complexe en le regardant au niveau où il a été posé. Il faut se regarder les choses d'un peu plus haut pour trouver une solution. Donc ça, c'est ce que disait Teilhard. Alors, Aurobindo et la mer en Inde, dans un contexte complètement différent, ont parlé de la descente du supramental. Donc, d'après eux, il y a une énergie spirituelle qui est descendue dans les années 1950 et qui est en train de transformer le cœur et l'âme de milliards de citoyens. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je ne sais pas, mais je cite. Alors, il y a André Malraux qui a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Il n'a pas parlé de religion. Donc ça, c'est les éléments qui me font penser que parler d'une élévation du niveau de conscience a du sens au niveau spirituel. Voilà. Maintenant, les religions sont le meilleur et le pire.
mais elles font partie du problème tout autant que de la solution. Parce que dans les religions, vous avez des gens honnêtes, mais vous avez aussi une confiscation de la vérité par les clergés, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs. Bon. Et donc, je crois, moi, que nous allons dans une époque qui va être au-delà de la religion. Alors, les religions vont essayer de se défendre et de se radicaliser pour certains, pour essayer de reprendre le pouvoir, mais je crois que le combat est terminé. Je crois que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est juste ce que disait Marot. Il n'a pas parlé de religion. Je crois que l'impact politique et spirituel des religions est en décroissance assez rapide. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à prendre en considération dans l'équation politique. Ça, je n'ai pas dit. Mais elles ne font pas tellement partie de la solution, à mon avis. Bien qu'il y ait de merveilleuses exceptions, comme partout. Voilà. Voilà la réponse que je peux faire aujourd'hui. Et pourtant, les religions se sont mises d'accord il y a quelques années pour créer une nouvelle religion tous ensemble. Et je crois qu'il y a déjà près de 60 signataires, dont le pape, près de 60 signataires pour créer cette nouvelle religion. Alors, est-ce que vous la voyez comme une spiritualité ou comme une supra-religion ? J'y crois pas. Mais ils vont essayer, évidemment, ils vont essayer, entre chrétiens, de faire l'écuménisme orthodoxe, protestant, catholique, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Mais regardez à l'intérieur du catholicisme. Les vocations de prêtres, de religieux, de franciscains, de dominicains, etc., sont passées de 500 par an ou 10 000 par an pour la France à 5. Donc, il y a comme quelque chose qui se termine. La jeune génération, moi, mes enfants, ils me disent, papa, on n'est pas contre la religion, on est à côté. Donc, ce type de sacré religieux ne nous parle plus. On est en train de changer de sacré. Ça, c'est intéressant. Le sacré de ma grand-mère, c'était le sacré de l'imitation de Jésus-Christ. La vie est une vallée de larmes. Il faut la traverser en pleurant pour aller vers le ciel où toute larme sera effacée de nos yeux. Ma grand-mère. Oui. Et ma fille me dit, papa, maman, tu ne comprends rien du tout. Si on ne change pas complètement de paradigme, de la manière dont on se relie à la nature, mais on va mourir, on va crever. Donc, le sacré pour moi, c'est changer notre manière de nous relier au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, à la nature. Et si on ne change pas, on va crever. Donc, c'est un tout autre sacré. À la limite, le premier était un sacré vertical, et maintenant, le sacré des jeunes, c'est un sacré horizontal. Le sacré de Greta Thunberg, c'est un sacré horizontal. Et donc, il n'y a pas de bon et de mauvais sacré, mais c'est ce qui est en train, c'est peut-être ce que Malraux avait, d'une manière ou d'une autre, intuitionné. C'est passionnant. Mais évidemment, toutes les religions et toutes les liturgies sont bâties et ont été utilisées pendant des dizaines de siècles dans le vieux sacré. Alors, les jeunes, tu les mets dans une messe catholique, tu les mets dans une histoire de franc-maçon, etc. Mais tout ça, c'est encore du sacré vieux style. Ça ne leur dit plus rien. Alors, justement, parlez-nous un petit peu des francs-maçons et des relations que vous avez eues avec. Écoutez, moi, j'ai des amis francs-maçons qui sont très sympathiques. Il y a en Belgique, une loge qui est très connue, qui s'appelle la Loge des Incorruptibles, qui est un des points cruciaux de la corruption dans toute la Belgique. Bon,
Donc, il y a le meilleur chez les francs-maçons et le pire, comme partout ailleurs. Quand j'ai été invité dans une loge, j'ai donc participé à la cérémonie, etc. Ils avaient des habits. Ça m'a donné l'impression, ça sentait la naphtaline. Ça sentait la naphtaline. Des gens tout à fait bien, mais habillés avec des toges qui remontaient au Moyen-Âge. Ça ne parle pas aux jeunes. Hein. Donc, c'est tout aussi peu... La transmission se fait tout aussi mal vis-à-vis de la jeune génération chez les francs-maçons, que chez les catholiques, que chez les protestants, que chez les luthériens, que chez les communistes. Que... Oui. C'est ça, parce que le sacré a changé. La dimension du sacré, la définition du sacré implicite. Et ça, c'est un des éléments du changement de paradigme. Vous voyez, ouais. Avec des jeunes qui n'ont pas le même sens du sacré, vos gouvernements, aussi méchants et aussi manipulateurs qu'ils sont, mais ils ne vont pas les toucher. Ils ne vont pas les toucher. Les jeunes, les masques. Ils n'entrent pas dans le système. C'est leurs parents qui ont peur. Ce n'est pas les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes ont raison pour tout, je ne dis pas ça. Mais je dis que les bases fondamentales, le sacré, c'est les bases fondamentales, ne sont plus les mêmes. C'est la même chose dans l'islam. Moi, j'ai des tas d'amis soufis, etc. Mais ils sont dans le même changement de paradigme, le même changement de sacré. C'est passionnant. Ça ne veut pas dire que tout est résolu. Non, loin de là. Mais donc, je suis optimiste pour ça, parce que ces politiciens parviennent à faire peur aux parents, mais ils ne touchent pas les jeunes. Hein. Les jeunes, ils ne marchent pas. Hein. Ils attendent. Hein. Ils attendent tranquillement que ce soit fini, hein, qu'on leur foute la paix, quoi. Ou bien ils disent, écoutez, confinez-vous, vous les vieux schnocks qui sont en danger, ben laissez-nous vivre, quoi. Ah oui, mais ils se font réprimer. Ben oui, évidemment. Mais vous croyez qu'ils intériorisent l'oppression? Ça, c'est les vieux schnocks comme nous qui intériorisent l'oppression. Je m'excuse d'être positif, hein. Non, non. Non, pas du tout. Delphine, est-ce qu'il y a des questions sur le chat un petit peu? J'en vois pas beaucoup pour l'instant. Moi, par contre, j'avais une petite question. Comment est-ce que, Monsieur Wix, vous verriez, ou plutôt quelle place verriez-vous à la dimension quantique dans un nouveau paradigme? Ah. Écoutez, ça, c'est absolument passionnant. S'il y a un livre que je conseille, c'est le livre de M. Theodorani, qui est professeur de Physica Theorica à l'Université de Bologne. Il a écrit David Bohm, la physique de l'infini. Je vous résume en deux mots. Il y a toutes sortes d'expériences bizarres qui ont été faites par Einstein lui-même en physique quantique. Moi, j'ai une petite question. Comment? J'ai une petite question. Oui, qui? Je voudrais savoir comment vous avez obtenu ce chiffre de 30-40% de personnes conscientes, d'après vous. Ah, mais c'est très simple. Vous lisez le livre de Paul Ray, R-A-Y. Qui a été traduit en français par Le Souffle d'Or et qui est paru en 2001. Et nous avons utilisé les questions de Paul Ray, qui a analysé le champ politique américain et qui est arrivé à la conclusion qu'il y a 24% d'Américains qui souvent ne votent pas, mais sont en train de changer de valeur en silence. Et il décrit ce changement de valeur. Nous avons fait les mêmes analyses en Europe et nous avons trouvé 21% en 97.
Et probablement que c'est maintenant 35, parce qu'en Amérique, c'est passé de 25 à 35. Ça doit être à peu près la même chose. Alors, nous avons fait un colloque à la Commission européenne, où nous avons invité des spécialistes du bloc islamique, des gens qui connaissent la Chine, etc. Et nous sommes arrivés à la conclusion que les grands spécialistes de l'islam nous ont dit « mais c'est la même chose dans l'islam ». Il y a un changement de paradigme et on peut compter que sur le milliard de musulmans, il y en a 300 000 au moins qui changent de paradigme en silence, derrière la charia, tout ce que vous voulez. Et donc, dans l'Iran aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup plus de gens qui sont dans le nouveau paradigme, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Il y a en Chine, alors en Chine par exemple, en Chine, on s'est aperçu il y a des gens qui font du tai chi tous les matins. Vous les voyez, moi j'étais à Pékin et je vois au 17e étage sur le toit de la banque les gens qui font du tai chi. Bon. Mais il y a des gens très simples, employés de banque, qui ont découvert qu'au fond derrière le tai chi, il y avait juste 8000 ans d'histoire spirituelle. On n'a pas dit religieuse, mais qu'il y avait une profondeur spirituelle derrière le tai chi. Ils ont découvert ça de manière émerveillée. Alors, le gouvernement chinois a dit « oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce n'est pas une secte ?» Donc, on les a réprimés, mis tous en prison, et on est passé de 50 millions à 275 millions. Parce que, évidemment, plus vous persécutez, plus vous vous faites connaître. Et donc, nous avons une partie importante, une minorité très importante en Chine qui est en train de basculer vers une vision beaucoup plus intériorisée du tai chi. C'est passionnant. Et ça se passe en islam, je peux vous donner toutes sortes de bons. On a travaillé là-dessus pendant des années. Donc ce ne sont pas des chiffres que je lance en l'air, hein. C'est, il y a 20 ans de travail derrière. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis qu'il y a beaucoup de travail. Alors, revenez sur Théodore Hadi, parce que ça m'intéresse. Alors, j'ai lu un livre de lui, mais je ne suis pas sûr que ce soit le même. Alors, Théodore Hadi dit ceci. David Bohm part de l'expérience EPR, Einstein, Pidulski, Rosen, trois types, qui disent, voilà, on prend deux particules, on les fait résonner ensemble, et puis on éloigne une particule le plus loin possible. Et au moment où on agit sur la première, instantanément, où qu'elle soit dans l'univers, la seconde particule réagit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière. Et donc, David Bohm dit ceci. Désolé, mais pour moi, il y a deux réalités. Il y a la réalité qu'on appelle la réalité de dimension 4, longueur, largeur, profondeur, plus le temps, ça fait 4. Et cette réalité-là, c'est la réalité qu'on considère être l'unique réalité. Toutes nos universités, toute notre métaphysique est basée sur cette réalité-là. Or, c'est une illusion. Parce que la physique quantique nous montre que l'expérience EPR fait que ces deux particules sont en dehors du temps et de l'espace. Et donc, la physique quantique arrive à la conclusion qu'il existe une autre version de la réalité qu'on appelle le champ quantique, le champ de Planck, qui est en dehors du temps et de l'espace. Et la mort, c'est quoi? Mais c'est passer de l'illusion du temps, de l'espace illusoire à l'espace réalité. Et donc, la vie après la mort, pour la physique quantique, est une évidence. On ne parle pas de religion, on parle de changement de civilisation. Notre civilisation va sortir du matérialisme bête et méchant. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de sens. Pour la physique quantique, pas pour les religions, pas pour la spiritualité. We are changing world.
on change de monde. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais il faut ajouter aussi la dimension métaphysique. Alors, Willis Harman, qui était un penseur de la Silicon Valley au moment où on réfléchissait à la Silicon Valley, ce qui n'est plus le cas maintenant, il a dit « We are shifting from M1 to M3 ». Alors, je vous explique. On passe de la métaphysique 1, qui dit « Seule la matière existe », mais toutes les universités d'Europe et du monde pensent ça. Si vous dites dans une université « Oui, mais est-ce que ce n'est pas la conscience qui est plus importante que la matière ?» On vous dit « Dehors, à la porte. » Bon, et dit Willis Harman, « The 21st century, le 21e siècle, le grand changement de paradigme, ce sera le changement de métaphysique. » On sort de la métaphysique matérialiste et on entre dans une métaphysique qui dit que c'est la conscience qui crée la réalité, qui crée la matière. Alors, je vous prends un exemple, parce que ça a l'air idiot. En physique quantique, l'électron, si tu ne l'observes pas, il est sous forme de vibration, d'onde. Au moment où tu l'observes, il se met en particules. Il existe. Donc, l'observateur fait apparaître la particule. Et il y a des tas. Bon, il y a des bouquins qui expliquent ça très, très, très bien. Theodor Hahn y explique très, très bien. La conscience, l'observateur, fait apparaître l'électron. C'est le contraire de toute la science objective, scientifique du vieux paradigme. Et donc, dans nos universités, on ne donne pas de cours de physique quantique. Elle reste dans le laboratoire, on n'en parle pas au cours parce que ça fout en l'air tout le bazar. Ça fout en l'air le système. Donc, le changement, il est énorme. L'humanité va comprendre tout d'un coup, à cause de la physique quantique, que, évidemment, la mort s'est passée de l'illusion à la réalité. Ouh. C'est passionnant, hein, mais lisez, hein. Peut-être que moi j'ai mal compris. Hein. Lisez. Non, j'ai lu la même chose et c'est passionnant, mais je ne sais pas si c'est déterminant pour notre façon de vivre. Est-ce que vous pensez en quoi ça peut réellement être déterminant pour notre façon de vivre? Par exemple, Lynn MacTaggart. Il faut lire Lynn MacTaggart, c'est une journaliste anglaise qui a fait le tour de tous les laboratoires de physique quantique du monde et qui a fait une synthèse, c'est passionnant. Elle a, par exemple, écrit « The Physics of Intention », c'est traduit « La physique de l'intention ». Ça veut dire quoi? C'est que si ton intention est pure et puissante, si tu pries pour la guérison de quelqu'un, il guérit. Attends, c'est fort, hein? Oui. Mais on n'y croit pas. Et donc, dans nos prières, on dit, « Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que… » Mais on n'y croit pas. Et donc, ça ne sert à rien. The physics of intention. C'est par la physique quantique qu'on va découvrir la valeur réelle de la prière. Je n'ai pas dit prière catholique, j'ai dit prière spirituelle. Et Marc, avant la physique quantique, les physiciens croyaient en autre chose. Pourtant, ils étaient... Les physiciens? Oui, les scientifiques, etc. Ils croyaient que c'était la vérité. Mais quand la physique quantique est arrivée, il y a soit ceux qui restaient dans l'ancien paradigme, soit ceux qui ont prié le nouveau paradigme, qui était la physique quantique, et qui ont tout laissé tomber. Pourtant, avant, ils étaient persuadés que c'était la vérité. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que la physique quantique, aujourd'hui, est la vérité absolue? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai certainement pas dit ça. J'ai dit que il y a des recherches qui vont dans cette direction-là. Maintenant, il y a un livre qui explique très bien ces choses, votre question. Parce que derrière votre question, il y a « qu'est-ce que la vérité ?»
Et ça, c'est une très, très bonne question. Et je vais vous répondre en citant un autre livre, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, c'est un professeur d'Harvard qui a écrit l'histoire de la pensée scientifique. Et il montre que la pensée scientifique n'est pas un long fleuve tranquille, mais que ce sont des bagarres entre paradigmes à coup, à longueur d'années et de siècles. Comprends, quand Einstein est arrivé avec son idée de relativité générale et relativité restreinte, on a dit « mais c'est un fou ». Qui avait raison ? Et donc, il montre très bien qu'il faut 30-40 ans pour qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'une hypothèse scientifique qui est d'abord refusée, puis attaquée, et tout d'un coup on se dit « ben oui, il y a quand même un peu de vrai là-dedans ». Et donc, la science avance, je n'ai pas dit que nous sommes au bout de la physique quantique, hein, pas du tout, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que nous sommes en train de découvrir des dimensions fantastiques, nouvelles. Une nouvelle métaphysique, c'est passionnant. Mais la nouvelle métaphysique, on ne connaît pas encore tout à fait ses contours. Mais on sent qu'il y a un gros changement. Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est donc, comme vous avez dit, même Einstein, etc., donc plein de doutes, donc à mettre au conditionnel, soyons d'accord. Tandis que plein de scientifiques le mettent avec une vérité absolue depuis la nuit des temps. Mais oui, mais c'est ça le problème. Il faut dire, attends, on cherche, on va dans cette direction-là, on n'est pas sûr. Attends, tous les scientifiques un peu malins te disent « I'm not sure hein ». Voilà. Ça, c'est les malins. Voilà. Ce n'est pas sûr, mais… De bas niveau, ils disent « mais oui, évidemment, ils sont sûrs, mais attends, mais ça, ce n'est pas des vrais scientifiques hein ». Et cela, je les accepte parce que c'est avec humilité, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et un peu de sens de l'humour, quoi. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Hein. C'est vrai dans tous les domaines. Hein. Les analyses archéologiques et autres, c'est un petit peu la même chose. Les archéologues oui. qui sont réellement pointus sont très réservés, très humbles. Et ce sont les idiots des universités qui affirment avec certitude que ce sont les Égyptiens qui ont construit les pyramides. Oui, écoute, quand tu es professeur d'université, moi j'ai vu les profs d'UNIF, tu donnes cours pendant 20 ans. Il n'y a personne qui t'interrompt. Et à l'examen, tu corriges et tu donnes des points. Mais tu finis par croire que tu as la vérité. Hein? Ben oui. Ouais. Ça, c'est la maladie du prof d'UNIF. Il n'y a personne qui le contredit jamais. C'est un peu la maladie de nos universités. Et oui, c'est comme tous les statuts qui existent dans notre existence, c'est-à-dire... on a un patron, on a, par exemple, c'est des hiérarchies qui sont mises dans le vent, finalement, qui sont basées sur du sable. C'est comme quand on fait l'armée, il y a des grades qui sont basés toujours sur du sable. Bon, vous allez me dire, le mec, il a fait certaines preuves, mais des preuves de quoi ? En tant qu'humain, ça ne vaut pas grand-chose, comparé à l'univers, dont la physique quantique dont vous parliez, Marc. Il y a beaucoup de choses. Vous repérez s'il y a des questions ? Je regarde. Je ne vois pas beaucoup quand même de remontées. Quel est l'horaire ? Je suppose que tu connais Théodorani et tu connais mieux ce sujet que nous. Qui, moi ? Mais non, je parle à Maurice. Ah. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas suivi que ça s'adressait à moi particulièrement. Oui, enfin, on partirait trop vite. Pour moi, une parcelle de vérité seulement, c'est un gros mensonge. Voilà. Si on ne fait pas comme monsieur Lucky, pousser une vision holistique, elle a des chances probablement d'être plus juste qu'une avec une loupe en regardant un mystique. Voilà. Mais si on le voit de haut, on voit qu'il ne vit pas seul, etc. Je voudrais, sans critiquer vraiment ce qu'il a dit au début de son entretien, calmer un tout petit peu les ardeurs de rêve, parce que l'énergie gratuite, libre, infinie et tout, je rappelle qu'elle est disponible depuis le début de l'univers jusqu'à sa fin. Toute l'énergie que l'univers contient, sous quelque forme que ce soit, pour ceux qui fixent le départ au Big Bang, rallions-nous à cette hypothèse qui a 13,5
6,6 milliards d'années. Bon, on ne peut pas créer un gramme, un brin, un joule d'énergie, on ne peut que en jouir, c'est-à-dire on l'a dégradé d'une forme assez noble vers une forme moins noble, et au passage récolter un travail, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le moteur et le carburant que l'on y met dedans. Et c'est une chose qui est... Je comprends bien, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais voilà, je vous respecte. Ah, mais ce n'est pas mon avis, hein, c'est l'avis général de tous les scientifiques. De certains scientifiques, oui. Non, non, la majorité, ça, ce n'est pas des vieilles bières qui débattent. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais il n'y a pas de problème. Monsieur Lucky, je ne suis pas d'accord également. Permettez-moi de vous faire souvenir que Ponce et Fishman, qui ont trouvé au fond d'une éprouvette une énergie surnuméraire, comme il est devenu d'usage de le dire, de quelques watts supplémentaires par rapport à ceux qu'ils y mettaient, il y a 30 ans, l'année dernière, que cette expérience a été faite, elle a été refaite par tous les labos du monde, etc. Effectivement, il y a un point singulier à trouver, à découvrir, mais ce sont des phénomènes qui ressortissent simplement de la physique normale. Il y a des imbéciles abrutis de physique nucléaire qui disent « bon, s'il n'y a pas de neutrons, il n'y a pas de réaction ». Là, ils ont tort, et certainement vous partagez cette opinion aussi, et c'est tout à fait vrai. Mais nous avons dans la région, pas loin d'ici, du côté d'Avignon, le professeur Jean-Paul Bibérian, qui a été le premier à faire des congrès sur ce phénomène et qui a réussi il y a quelques années à faire venir tous les chercheurs dans ce domaine à Marseille, où il était enseignant à l'université à Lumigny. Et 30 ans après, à mon grand désespoir, on n'a toujours pas de machine sur la table qui fonctionne selon ce principe. Le professeur Bibérian lui-même, dans son garage, continue ses recherches, c'est très passionnant, il est formidable, il a fait une intervention un jour sur TEDx, le fameux truc très connu là de vulgarisation. Il a obtenu un succès remarquable dans la vulgarisation, mais il est un petit peu trop, comment dire, optimiste comme vous. Et bien sûr, il faut être optimiste, et je ne peux que vous en féliciter, bien entendu. La vie, c'est devant, c'est pas derrière. Mais il y a beaucoup à faire encore si un jour ça devait marcher. Et pour l'instant, il y a le feu au lac d'une manière pratique, hein. Un jour, il va manquer de ceci, cela. L'économie sur le pétrole, c'est une chaîne. Il suffit qu'il y ait une rupture d'approvisionnement quelque part. Voilà, je vous signale qu'on vient de rallumer trois centrales françaises au charbon qui polluent au-delà de toute espérance, hein, parce qu'il n'y a pas assez dans le nucléaire plus l'éolienne en ce moment, parce qu'il y a eu une chute du vent. Et quand il n'y a pas de vent, eh bien, la hélice, elle ne tourne pas. Et si elle ne tourne pas, il n'y a pas d'électricité dans les prises. Alors, tout ça, c'est très... C'est très fâcheux, oui, voilà, je ne vais pas monopoliser. Bravo pour ce que vous disiez de M. Baum, parce qu'effectivement, c'est un des premiers, je crois, qui a vulgarisé, après de nombreuses recherches, l'idée que la conscience en soi n'est pas vraiment résidente dans le cerveau, que c'est tout au plus une espèce de talkie-walkie, émetteur-récepteur, on pourrait dire, pour faciliter les choses, mais ce ne soit pas ça. Et c'est une vision, effectivement... Voilà, c'est certainement, c'est un grand scientifique et il n'a pas dit ça à la légère, c'est sûr. Et je crois que ce groupe de scientifiques qui travaille sur cet aspect quantique a abouti à déterminer, à rejoindre la philosophie en cherchant quel était le libre arbitre. Et le libre arbitre, en fait, serait ce tunnel que l'humain possède au milieu du cerveau et la distance que parcourt l'onde qui justement est exactement la distance à laquelle elle ne peut pas franchir les parois de ce tunnel. Oui, en électronique, c'est un phénomène bien connu, appelle ça l'effet tunnel. Donc, bon, tout à fait d'accord, c'est pertinent. Mais Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a aussi Roger Penrose qui a fait des hypothèses très intéressantes, vous devez le connaître en ce moment. Oui. On a une question de Jeanne Bresciani. Que pensez-vous des médecines quantiques comme celle de Grigory Grabovoy? La question s'adresse à M. Lucky. Oui, tout à fait, oui. Alors, je ne connais pas Grabovoy. Moi-même, j'ai une fois rencontré une personne en France qui m'a dit qu'il appliquait la médecine quantique.
je ne peux pas dire que c'était de la foutaise, mais je ne sais pas expliquer. Alors, je vous raconte une histoire. Donc, ma femme est thérapeute et un de ses patients avait une tumeur dans le cerveau. Il va à l'université de Liège et on lui dit, écoutez, vous, monsieur, vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce qu'on ne sait pas vous opérer. Si on vous opère, on vous tue. Donc, débrouillez-vous. Alors, il a été chez ce monsieur qui lui a dit, bah, écoutez, fermez vos yeux pendant une minute. Moi, je vais prendre un cristal en main et puis on va sortir du temps et de l'espace. On va entrer dans le champ de Planck et on va y chercher la guérison. Ne me demandez pas, mais il est rentré à Liège, il a été à l'Institut de cancérologie et les médecins ont dit la tumeur a disparu pour des raisons inconnues de la science. Point. Bon, moi je ne sais pas dire plus. Je dis qu'il y a des choses inexplicables et je crois qu'on va découvrir des choses passionnantes dans la médecine quantique du futur. Mais tout ça est encore il y a un peu de tout. Il y a des fous, il y a des génies, il y a des emmerdeurs, il y a de tout. Et c'est ça qui est difficile, c'est de faire le tri. Mais je ne jetterai pas le concept au panier. Mais est-ce que tout au long de l'histoire, il n'y a pas eu une quantité de cas comme ça? Ce n'est pas né avec la physique quantique. On retrouve des traces de gens qui guérissent, on ne sait pas comment, c'est incompréhensible, ils n'ont aucune connaissance médicale. Et on a le cas le plus célèbre qui est celui de Zé Arrigo au Brésil. Et bon, le président du Brésil s'est fait retirer une tumeur par ce médecin, qui n'est pas médecin du tout, qui est un simple paysan, mais n'empêche qu'il traitait tous les gens comme ça. Et il y a eu des films et des journalistes et des médecins qui sont allés en quantité, et personne n'a jamais compris, ni même lui-même d'ailleurs. Il le dit clairement, il n'a jamais compris comment il faisait, il ne le sait pas. Alors, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, c'est des types qui te guérissaient de ta brûlure en 5 minutes. Mais personne ne sait comment ils faisaient. Non. Maintenant, la médecine quantique, c'est quand même une autre métaphysique, mais on est au balbutiement. Pour revenir à la question de Jérémy, on est dans la recherche. Tu comprends? On est entre les deux. Bon, voilà. Oui, on est au tout début d'un changement de paradigme, mais c'est vraiment au tout début. On est au balbutiement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Delphine? Oui, il y a d'autres. Oui, allez-y. Par exemple, on a Apocalyptique Zombie qui demande « Peut-être que le Big Bang est une théorie, mais quelle serait alors la théorie du monsieur philosophe de ce soir ?» J'en sais rien. Ça, ce n'est pas une vraie question, ça, c'est une bêtise. J'en sais rien. Après, on a Dominique Bernussou qui dit « Pensez-vous que prier collectivement au même moment pour un avenir meilleur pourra peut-être changer les choses ?» Alors, je vais raconter une histoire. À Washington, il y a des types qui font de la méditation transcendantale et qui ont demandé à 10 000 personnes de méditer au même moment pour faire diminuer la violence dans l'État de Washington. Pas l'État de Washington, Washington DC, département fédéral. Eh bien, d'après les mesures de la police, pendant cette nuit-là, le nombre de crimes a diminué de 40%. Bon, voilà. Donc, je crois que méditer ensemble, c'est loin d'être bête. Je crois qu'il y a une multiplication, comme Jésus disait, si vous êtes à plusieurs à prier ensemble, je suis au milieu de vous et je vous fortifie. Bon, je crois qu'il y a une multiplication géométrique, c'est pas seulement une addition, c'est une multiplication géométrique
de l'effet de la méditation quand on est ensemble, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Et tous les ouvrages sur ces sujets-là, tous les ouvrages spirituels parlent d'égrégores. Oui. Et donc, je crois aussi qu'il y a un certain nombre de faits. Moi, je suis très pragmatique. Il y a un certain nombre de faits qui sont étonnants au cours de l'histoire. Le premier d'entre eux, c'est Socrate, qui disait qu'on ne peut rien inventer car tout est déjà dans l'univers et qu'en fait, il y a simplement des gens qui peuvent capter plus que d'autres. Et puis, je crois qu'après, il y a un certain nombre de contextes qui font que des gens se mettent à pouvoir capter simultanément des choses. Et on l'a vu durant les derniers siècles, pas mal d'inventeurs ont eu leurs homologues, c'est-à-dire des gens qui ont découvert en même temps les mêmes choses, alors qu'ils ne pouvaient pas se connaître. Oui, étonnant. On a pas mal de cas comme ça. Et je crois que il n'est pas impossible... qu'on aille vers des changements importants dans la médecine. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre à la poubelle toute la médecine, pas du tout, mais on va trouver d'autres manières d'approche de diagnostic et d'autres manières d'approche de guérison. Ça, c'est une certitude, ne serait-ce que de rétablir déjà les médecines qui ont été interdites. Mais oui, évidemment. J'ai un fils qui est médecin. Il me dit, moi, j'ai eu des centaines et des milliers d'heures de cours en 7 ans de médecine. J'aurais aimé avoir au moins 10 heures sur la médecine chinoise et 10 heures sur la médecine indienne ayurvédique et 10 heures sur l'homéopathie, etc. Pas une minute. Ben non, ça, tant que ce sont les laboratoires qui établissent les cours et les règles de médecine, c'est normal qu'ils mettent de côté tout ce qui ne produit pas la vente de leurs produits. On est dans une société totalement mercantile. C'est vrai. Autre question ? Je n'en vois pas, en tout cas, qui sont remontées dans le chat. D'autres gens ici présents, peut-être ? Magie, Chantal, Gisèle, peut-être ? Alors, il y a une question simple, hors de contexte. Kevin Giocanti, connaissez-vous l'OPPT et l'UCC? Oui, non, mais ça... Non, Jérémy, on n'a pas des questions bêtes comme ça. C'est pas le sujet de ce soir, d'une part, mais en plus de ça, c'est des... on en parlera une autre fois. On en a déjà parlé et à chaque fois, ça revient toujours la même chose. Ça n'a pas un grand intérêt. Et je puis, veux bien prendre la parole. Intervenant. Allez-y. Allez-y, Magie. Oui, moi, je vous remercie, Marc Leloux. Je me suis vraiment régalée parce que j'apprécie beaucoup votre ouverture, votre confiance dans la vie, votre culture. J'ai appris beaucoup de choses. J'aurais envie d'ouvrir beaucoup de livres. Et je reviens vraiment à quelque chose de terre à terre parce que je suis arrière-grand-mère. Et quand nous avons parlé de cette soirée avec Leïla, qui a préparer votre invitation. Nous parlions de... Est-ce qu'elle est là ? Elle n'est pas là ? Et non, elle n'est pas là. Elle n'apparaît pas dans le Zoom. Vous lui demanderez pourquoi, parce qu'elle est très active. Et donc, nous pensons à ce basculement dans le nouveau paradigme. Moi, en tant que femme, créatrice de vie, je me sens très concernée. Comme Leïla, comme beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai discuté à Marseille. Donc, j'entends bien que vous pensez qu'il y a 30 à 40% de personnes qui ont ouvert leur cœur. D'accord. Pour que nous avancions vers l'autre paradigme, ce qui m'intéresse beaucoup en tant que transgénérationnelle avec des enfants, des petits-enfants et un arrière-petit-fils qui vient d'arriver, je reviens à l'être. Et choisir l'amour veut dire abandonner la peur, donc revient à un travail tout à fait personnel de chaque individu pour faire monter cette conscience et cette spiritualité dans le monde et arriver à grandir ce chiffre de 30 à 40% de personnes qui ont le cœur ouvert. Je pense à l'histoire du centième singe. Qu'est-ce qui va faire basculer
pour que nous allions vers l'autre paradigme, l'autre santé, l'autre éducation. C'est ça qui me passionne. Et j'aimerais bien que vous me répondiez sur ce plan. Où allons-nous alors, hein? Parce que nous sommes des êtres dispersés, faut-il nous rassembler? Faut-il d'abord travailler chacun l'un sur l'autre et choisir ce « je-même » qui est à l'intérieur de nous, qui est une partie sacrée de notre être? Qu'en pensez-vous, Monsieur Luix? Ah. Romain, il y a eu quelque chose là. Il y a un petit problème technique. La connexion a dû faiblir parce que ici, ça s'est brouillé avant qu'il ait le temps de répondre. Alors, par contre, la censure, on va parler. Ah, ben il est parti. Oui, il est parti, oui. Il a été déconnecté, je pense. Mais oui, parce que l'écran est devenu gris à un moment, on voit que ça n'allait plus. De toute façon, nous sommes à la fin de l'émission, c'est pas grave. À 2-3 minutes près. Vous avez les codes de l'après Zoom, hein. Il va peut-être se connecter. Espérons. Ouais. Oui, on ne ferme pas tout de suite, on va attendre un petit peu, voir s'il peut revenir. Oui. Moi, j'aurais bien aimé avoir ma réponse. Vous êtes clair ? Quel suspense ! Quel suspense ! Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le rassemblement ou est-ce qu'il faut, il est quand même très optimiste, hein, il parle de 30 à 40% de personnes qui ont le cœur ouvert, donc deux personnes qui s'éveillent. Combien faut-il de pourcentage pour qu'on arrive au 101e singe qui fait basculer la conscience universelle et qui nous amène vers le nouveau paradigme? Je crois qu'il n'a pas forcément les réponses. Il n'a pas, c'est évident d'ailleurs, il ne peut pas avoir vraiment des réponses précises. En revanche, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir dans quelle mesure le fait d'offrir un outil pour y parvenir ne fait pas accélérer ce nombre de personnes qui s'éveillent. Et donc, quand je parle d'outils, je pense essentiellement à cette Cour suprême et au concept d'un gouvernement par commission en attendant, et le concept de transition. Et donc, ce sont des concepts de pause, de calme, de remise en question. Et je crois que chacun, à titre individuel, en a besoin, en a envie. Et je crois qu'en tant que collectivité, c'est un petit peu la même chose. Et donc, il faut, pour cette transition et pour l'établissement du concept du peuple souverain, c'est-à-dire d'une Cour suprême, je crois qu'il faut un outil pour ça. Et c'est pour ça que nous, on dispose de cet outil et on essaye de le transmettre et de l'offrir à tous. Est-ce que parallèlement, Eric, c'est pas aussi important de travailler sur chaque individu et de transmettre ce que M. Luix disait au début du live, hein, cette peur qui nous empêche d'agir. Donc, comment remplacer la peur? Pour moi, il y a deux choix, c'est ou la peur ou l'amour. Donc, comment on peut ouvrir le cœur, ça veut dire s'ouvrir à l'amour également. Donc, comment peut-on associer les deux et cet outil merveilleux que représente la Cour suprême? Et le fait de développer en soi ce je-même qui est une partie essentielle pour évoluer. Comment associer les deux? C'est quand tu dis peur et amour, comme tu as le mot, c'est une personne qui associe la peur de l'amour, par exemple. On va écouter. Vous allez répéter votre question pour Marc qui a pu revenir maintenant. Oui, avec plaisir. Ouvrir votre micro, ça y est. Voilà. Alors. Oui. Excusez-moi, j'ai été coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, sur le chemin de l'être, c'est le titre de mon dernier livre. Oui. Le sacré féminin. Les femmes
reprenne le leadership. Oui. Yeah. On leur a coupé leur leadership pendant 4-5 000 ans. Ouais. Si pas plus. Déjà du temps de Platon. Pourquoi? Parce que les femmes ont une relation corporelle au divin. Quand une femme fait l'amour et qu'elle sent tout d'un coup qu'elle devient enceinte, elle sent que son corps se relie au divin pour permettre à une âme de venir en elle. Wow. Bon, les hommes, on n'a pas ça, nous. Et non. Et donc, dans le chemin de l'être, il y a deux chemins. Il y a le TGV, c'est la voie féminine. Et puis, le chemin dans les rochers, c'est la vision de Maître Eckhart et plus masculine. C'est une vision d'intégration de l'être et c'est une vision tout à fait respectable, etc. Les femmes peuvent utiliser les deux. Les hommes, pas. Mais ça, c'est du féminisme, Marc. C'est de l'opportunisme, même, par rapport au temps. Il y a une seule exception. Mais oui. C'est Rumi. Rumi, le tout grand mystique, un des plus grands du monde, qui est musulman iranien. Lui, il est parvenu, il a osé dire qu'il était amoureux du divin. Mais c'est presque un des seuls dans la littérature mystique masculine. Bon, alors, cette nouvelle civilisation, on ne va pas la faire sans la puissance du chemin féminin, sans la puissance du sacré féminin. Je dirais même que l'ADN du nouveau paradigme, c'est le sacré féminin. Non seulement on ne fera pas la nouvelle civilisation sans les femmes, mais sans leur leadership, et on n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire que les hommes sont nuls, je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire que le chemin de l'être pour les hommes n'est pas possible, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'on s'est privé d'une merveille qui est le sacré féminin juste pendant 4, 5, 6 000 ans. Pas du tout, Marc, parce que dans beaucoup de civilisations, la femme est à l'honneur et elle dirige sa tribu haut la main, d'ailleurs. Moi, je parle de l'histoire de la spiritualité, l'histoire de la philosophie. Quand tu vois Platon, Platon... Platon n'a pas la vérité absolue non plus. Mais non, mais je n'ai pas dit ça. Je tâche de tracer des grandes lignes. Mais tout, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Fondamentalement, le sacré féminin n'a eu aucune influence sur la civilisation mondiale pendant 5000 ans. Il y a des brillantes exceptions, mais sinon, voilà. D'accord, bon, Marc. Une influence sous-jacente qui était bien plus importante que ce qui est paru à l'écran. Voilà. Je crois que les femmes, derrière chaque grand homme, se cache une femme. Et c'est bien plus grande que lui. On peut dire que derrière chaque grande femme, il se cache un homme. Bien sûr. Calmez-vous, je dis ma pensée, calmez-vous. Laissez-moi m'exprimer un minimum avant de dire que j'ai tort. Okay, j'ai pas dit que tu avais tort. Je parle en général parce qu'on me dit stop à chaque fois. Donc, il faut me laisser m'exprimer 2 minutes au moins. Tu as fini de t'exprimer? Je vous laisse continuer. J'ai pas dit grand-chose dans la soirée. Mais bon. Je vous laisse finir votre explication, il n'y a pas de problème. J'ai fini. Vous êtes l'invité, je respecte, il n'y a pas de problème. En tous les cas, Marc, on est complètement d'accord sur ce concept et c'est une évidence que de toute façon, on pratique déjà, nous, ici, à l'évidence, en mettant beaucoup de femmes. D'ailleurs, on le retrouve même au niveau de l'organisation du Conseil de transition où on trouve une majorité de femmes. Et on voit qu'effectivement, souvent, les femmes sont constructives et en même temps intuitives. Elles ont les deux qui s'additionnent et souvent, ça donne des résultats supérieurs.
Mais c'est vrai aussi que pendant 5-6 000 ans, elles ont été complètement mises au rencard. Et je ne sais pas si ça ne vient pas justement de l'inversion du dieu, puisque je ne sais pas si vous avez étudié cette partie très ancienne de l'histoire de Sumer, mais les Sumériens, donc, qui, eux, avaient des dieux qui étaient exclusivement féminins. Et mais oui, il y a tout le matriarcat avant, hein, mais oui, il y a 5000 ans. Retourné. Que les religions ont mis en exergue ensuite seul le rôle de l'homme et l'homme totalement dominant et la femme, elle a juste à obéir. Il y a un très beau livre de Françoise Gange qui est décédée et qui a écrit sur justement cette inversion du divin au cours de l'histoire. Oui, et le divin a été complètement retiré à la femme. Oui. Et donc, il est temps de lui rendre, de lui restituer ce qui est cette part qui manquait à l'humanité pour... Oui, on en a besoin. Absolument. Absolument. Je pense quand même que les femmes sont restées très présentes au cœur des familles, dans la transmission, et qu'elles ont donné aux enfants, aux petits-enfants, cette part divine dont vous parlez, Marc Lutz. Et simplement, là maintenant, puisque nous prenons conscience de la place que nous avons dans la société, non seulement nous avons à la tenir au sein de notre famille, et par contre, nous devons éclairer de cette lumière. Moi, j'appelle ça la parcelle divine qui est en chacun de nous et dont nous sommes porteuses de par notre rôle de procréatrice de vie également. Après, Marc, j'aimerais bien que vous me disiez si vous pensez que cette parcelle divine, ce féminin sacré, j'aime beaucoup cette expression aussi, va nous permettre ce rassemblement. Je reviens aux 30-40% de cœur ouvert. Moi, mon truc, c'est l'autre paradigme, l'autre santé, l'autre éducation, toute cette créativité qu'il faut mettre en route. Est-ce que les 30-40% de gens de cœur ouvert dont vous parliez tout à l'heure sont suffisants pour que nous passions de l'autre côté de la rive, sur l'autre paradigme? Alors, je m'excuse d'être positif encore une fois. Il faut bien comprendre ceci. Je vous raconte une histoire. Un jour, quand j'étais à la Commission européenne, il y a un des grands directeurs généraux qui a dit « Never a computer on my desk bon. ». Il a dit, et il a obligé sa secrétaire à prendre tout en sténo et de taper tout dans son bureau jusqu'au dernier jour. Mais il savait qu'après lui, le lendemain du jour où il quittait son bureau, il y aurait un ordinateur sur son bureau pour son successeur. Et donc, ceux qui sont en face, les 60%, ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'avenir parce qu'ils sont incapables. Tous ces gouvernements qui nous gouvernent pour le moment sont incapables de concevoir une société soutenable et sociale. Ils ne conçoivent rien. Attali n'est pas capable de prévoir, de concevoir. Il a écrit des tas de bouquins, mais tout c'est « nous serons ruinés dans 30 ans, tout va exploser dans 30 ans, etc. » Bon. Incapable de concevoir une société soutenable. Et donc, en face d'eux, il y a des gens qui sont en train de concevoir, et non seulement de concevoir, mais de la faire advenir par la conscience. Et donc, nous avons déjà gagné. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chier. Hein. J'ai pas dit ça, hein. On va être ennuyé, hein. Je m'excuse de mes écarts de langage, mais il ne va pas y avoir des moments faciles. Mais la décision, la victoire est déjà là. Parce que les autres n'ont pas de vision. Donc, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas de vision. Et donc, ils vont finalement... Le jour où ils prennent leur démission, c'est comme le directeur général, ben on va mettre un ordinateur sur son bureau. Et donc, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'en face, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir.
Et donc, ils sont dans le pouvoir. Ils sont dans la manipulation. C'est la seule chose à dire. On dit tel professeur est un imbécile. Au lieu de dire, mais tiens, à Marseille, il y a deux fois moins de malades qu'à Paris. Non, ça, on ne dit pas. Mais on dit, c'est un imbécile. Bon, voilà. C'est une manière. Mais ce n'est pas intelligent comme réponse. Tu vois, l'intelligence est de notre côté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses, ça ne veut pas dire qu'on est super intelligent, mais collectivement, nous avons un projet. Dans le fond de notre subconscient, nous refusons les valeurs de mort. C'est très puissant. Ça ne veut pas dire qu'eux, non, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la légitimité. C'est exact. Ils ont perdu. À nos pères sont la légitimité. Ils ont perdu la légitimité. Tout à fait. Et c'est l'un de nos leitmotivs. La légitimité est au-dessus de la légalité. Mais oui, ils enfreignent la légalité parce qu'ils ne savent plus faire autrement. Ils paniquent. Attends, ils paniquent, quoi, pour ne pas dire une expression un peu plus... Mais c'est vrai, on le voit à travers la confusion permanente qui régit maintenant. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Il faut regarder en politique, il faut toujours penser, entrer dans le point de vue de l'autre pour comprendre ce qui se passe. Non, 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 la vision, ils n'ont pas de vision. Tout à fait. Alors que nous, on en a une et c'est ce qui nous renforce. Ça ne veut pas dire que nous ayons raison dans tous les détails, etc. Bon, il y a des tas de choses qui vont changer. Bon. Cool. Merci pour cette réponse qui me réjouit le cœur parce que j'ai besoin en tant qu'ancêtre d'être optimiste, de continuer à porter haut les couleurs de l'amour et de la créativité d'un autre paradigme. Ça fait du bien de vous entendre. Oui, et puis je crois que comme vieux schnock, notre génération, on est quand même les vieux schnock, notre fonction, c'est de dire aux jeunes, suivez vos intuitions les plus hautes, pas les plus basses, parce que tout le monde a des intuitions qui vont vers le bas et vers le haut. Suivez vos intuitions les plus hautes. You will get it. Ça va venir. Et nous, les jeunes, on a beaucoup de plaisir à vous entendre, vous, les vieux schnock, parler comme ça. Merci. En tous les cas, un grand merci, Marc, pour cette soirée que vous nous avez offerte et que vous nous avez consacrée. Et surtout pour cette vision positive qui vient en permanence, cet optimisme que vous dégagez naturellement et qui vient encore nous rassérener dans notre volonté, dans le chemin qu'on a déjà déterminé et qui est complètement dans le même que le vôtre, même s'il est un peu plus concret, politiquement, on va dire, mais je sais que ce n'est pas votre sujet directement. Mais ça nous conforte dans nos convictions de l'importance de ce changement de paradigme et d'essayer de le gérer avec le moins de violence, le moins de chaos, le moins de souffrance possible, parce qu'il y a des peuples sur la planète qui aujourd'hui sont vraiment en grand danger, qui vivent des souffrances absolument horribles, et il faut arriver très très vite à arrêter tout ça. Et à changer vraiment complètement et rendre tout le monde en droit d'être heureux. C'est un droit, le droit au bonheur. C'est un choix aussi, Eric. Je ne suis pas sûr que les enfants qui meurent de faim à 3-4 ans parce qu'ils sont sous les guerres et sous les bombes au Yémen, ils aient eu beaucoup de choix. Oui, je comprends si vous parlez des enfants. Je parle des adultes. Qui ont surtout dans notre région, dans nos pays occidentaux, quand même beaucoup de possibilités d'évoluer vers quitter cette peur qui les habite pour aller vers des choix plus tranchés, plus en fonction de ce bonheur. Le bonheur est quand même une décision. Je ne parle pas des enfants qui ont choisi des parents qui les maltraitent, etc. Cela veut dire que leurs parents n'ont pas fait les bons choix non plus. Je parle des adultes.
puisque c'est avec les adultes que nous allons nous rassembler et créer cet autre paradigme. On ne va rien demander aux enfants. Tout à fait. Le bonheur, pour moi, c'est quand même une décision. Et que cette décision, elle vient en même temps du féminin, que Marc Luix appelait le féminin sacré, mais aussi le masculin. Toutes les femmes ont un masculin en elles, tous les hommes ont un féminin en eux. Et on pourrait peut-être collaborer davantage. On a beaucoup à apprendre de ces hommes qui... De notre collectivité, tout simplement. Et bien sûr, bien sûr. Et les femmes ont été trop mises de côté. Bon, on est d'accord pour reprendre notre place et d'avancer avec vous. Voilà, merci beaucoup. Et de rappeler à tout instant que la violence est le dernier refuge de l'incompétence. C'est clair. Dans le journal d'hier, il y avait un théologien musulman qui a dit le contraire de l'ignorant. L'ignorance n'est pas ne pas savoir, c'est être dans la certitude. C'est assez vrai aussi. Oui, c'est tout à fait juste. Merci, M. Louis. C'est ça qui détruit toutes les religions. Ils fabriquent un dogme, il y a un surpassable et tout. Ils sont sûrs d'avoir raison, c'est leur Dieu à eux. Et comme ça, tous les autres, c'est de la merde. Et il n'y a plus qu'à les incinérer. Voilà. C'est un des problèmes. Moi, je voulais juste rajouter un tout petit mot concernant la femme divine, etc. Je suis tout à fait d'accord à ce que dit Marc-Louis, bien sûr. Mais ma grand-mère avait une façon très marrante de dire ça. Elle disait... Les hommes ont le plaisir et les femmes les emmerdements qu'elles n'ont pas mérité. Et moi, je le dis autrement, je dis, il ne faut jamais oublier que la moitié des hommes, ce sont des femmes, que c'est la meilleure moitié et que c'est bien agréable pour l'autre qui est resté là-bas. Voilà. Bon, on termine ici? Oui, merci à tous. Merci à vous, Marc, principalement, pour cette très agréable soirée. Merci bien. Merci à tous. Bonsoir. On se retrouve demain. Bonsoir. Alors, demain. Ah ben, d'ailleurs, après-demain, avec un de vos compatriotes qui s'appelle Michel Collomb, que vous connaissez peut-être ? Non, je ne le connais pas. Je n'ai pas l'honneur. C'est un journaliste qui va vraiment sur les événements, qui approfondit tous les sujets et qui est extrêmement. Connu dans le monde entier pour avoir dénoncé, mis à jour des gros mensonges de la part des politiciens. Et puis un autre de vos confrères aussi, de vos compatriotes, pardon, c'est Laurent Louis qui a fait quelques scandales parmi les députés en Belgique en dénonçant des réseaux de pédocriminalité des plus hautes instances belges. Ah oui, mais écoutez... C'est toujours le cas. Hein. Mais c'est toujours aussi inacceptable. Tout à fait. On vous laisse couper le direct. Oui. Merci à tous et rendez-vous demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Bonne soirée. Bye.